Bon, il est 4h du matin, c'est le grand jour, c'est le jour du départ. On part au CIRA, à Lyon, 6 heures de route. Bon, bah, c'est parti, hein. Vous venez avec moi? Je vous emmène? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on arrive au CIRA. Bon alors, pas mal d'heures de route, environ 5 heures, mais bon ici, une chaude ambiance. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde, c'est impressionnant. C'est la première fois que je viens en plus, donc c'est vraiment super. Donc là, on va partir pour 5 jours ensemble. Je vais vous montrer un peu tout ce qui se passe dans le CIRA, les concours, Bocuse d'Or, Coupe du Monde de la Pâtisserie, les exposants, tout ce qu'il y a de bien en fait sur le salon. Bon ben c'est parti, hein, il n'y a plus qu'à faire. Désormais on est sur le stand de chez Miral, une maison prestigieuse de volaille depuis des générations et des générations, depuis 1919 si je ne me trompe pas. Et donc ici ils proposent des gammes de volailles de prestige, de la volaille de Bresse évidemment, mais aussi des canettes, des poulardes, des cailles, c'est vraiment une belle gamme. D'ailleurs je vais vous montrer, il y a une petite vitrine de présentation. Allez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc
donc là on est sur un stand, je me suis arrêté ici parce que je trouve ça super sympa, c'est pas alimentaire, donc voilà, mais je vous propose quand même de regarder, c'est un stand de mobilier, tout est fait en bois, c'est juste magnifique, je vais vous montrer un peu des plans après. Alors la marque, je ne me souviens plus c'est quoi, c'est Scandi là, la marque, c'est vraiment sublime. Je vais vous montrer quelques plans, ils ont même fait une moto tout en bois, c'est vraiment magnifique pour les petits hôtels de charme ou quoi. Bon, ça va pas être donné, on est entre nous c'est sûr, mais en tout cas voilà, c'est vraiment quelque chose de qualité, c'est vraiment très beau. Je vous montre ça tout de suite. On est devant la cuisine du restaurant, d'un des restaurants éphémères de 6e sens, ça s'appelle. Donc c'est un concept de restauration qui a été fait par l'Institut Paul Bocuse à Lyon, donc des étudiants. Donc ils ont fait un thème de restaurant éphémère sur 4 thèmes, le théâtre, la cuisine un peu surprise avec un menu surprise, un concept végétarien et un autre concept qui est vraiment sympa aussi. Donc là voilà, on va manger ici dans quelques instants, nous après. Donc, je vais vous montrer quelques plans de la cuisine, c'est vraiment sympa, ils sont vraiment super professionnels. Institut Paul Bocuse, donc forcément c'est déjà la base, c'est vraiment super. Donc voilà, je vais vous montrer quelques plans. Paul Bocuse, petit coup de champagne, ouais. Les petites dégustations variées. Donc le champagne, c'est quoi, tu te rappelles Aurélien? Aucune idée. C'est un blanc de blanc, de maison, une petite maison de champagne. Et donc avec trois amuse-bouches. Ici on a les choux. Craquelin, foie gras. Foie gras avec la feuille d'or par-dessus. Homard. Ici. Homard, petit sablier de champagne. Ouais, homard, sablier de champagne. Et ici, on est sur la truffe. Hein. La truffe avec, pour être franc, je me souviens plus ce qu'il y a avec. Noisette. Noisette et velouté de topinambour. Okay. Tiens, tu goûtes un chou Allez, un petit chou. Vas-y. Hein. Alors? Ah, joli. C'est bien? Avec le craquelin. C'est magnifique. Bon, les gars, je pose la caméra parce que j'ai envie de goûter aussi, moi. Magnifique. Good morning, ladies and
chers hommes. Bonjour les amis, bonjour Lyon. Bienvenue à la Coupe du Monde de Pâtisserie, édition 2017, la finale, la grande finale, qui va opposer ici 22 nations venues de tous les continents pendant 2 jours. Bonjour Angela. Good morning, Vincent. Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour. Ah, bonjour. Ah. And bonjour to everybody else that's watching in our audience as well. Welcome to the World Pastry Cup 2017. Le show télévisé et les partenaires qui faudront intervenir tout au long de la journée. Contente d'être là, Amandine? Je suis extrêmement contente d'être là. Nous accompagner pour tous ceux qui ne parlent pas français. Et il s'agit de... Shall we go and say hello to kitchen number one? Oui, Angela, I follow you. Je suis Angela pour aller vous présenter les différents box. Et... Maintenant, je vais vous demander d'accueillir, à l'appel de leur nom, les jurés de dégustation du dessert chocolaté. Le président de la délégation française, Marc Rivière. Gentlemen, please keep the applause rolling as we welcome out for the tasting jury for the chocolate dessert from Morocco. We have Tahar et Erami. Bonjour Tahar. L'équipe d'Algérie qui côtoiera, c'est une frontière naturelle entre le Maroc et l'Algérie, c'est normal. Voici Yacoub Mehedi. Ladies and gentlemen, please welcome out from the United Kingdom, Martin Shippers. My goodness, I hope we have some supporters and I hope everybody's watching at home. Ladies and gentlemen, please welcome in kitchen number 6. Tous leurs camarades depuis 6h ce matin et avec le bruit assourdissant des tronçonneuses à glace. Évidemment puisque la sculpture sur glace occupe le devant de la scène comme vous l'avez vu. So we have the candidates that are competing with us this year are Nicholas Arnold, David Rendon, and Frederic Dever. Les Mexicains dans le box numéro 3. Je vous demande d'applaudir l'équipe. Thank you.
cloche, un souffle de cloche de papier, est-ce un pliage? Je vais la toucher pour savoir, oui oui, c'est une sorte de calque épais, un très joli pliage pour cette cloche tout à fait écologique. Green asparagus enveloped with cremini mushrooms, fork crushed almondine potatoes, toasted almond custard, a red wine shallot and Meyer lemon confit, together with a parmesan crumble and pea tendrils with sauce bordelaise. All in one go, and if you see all the way on the far end of the room, on the repris le manche avec l'épouse de Benoît Violier et Georges Blanc. Georges Blanc, de toute façon, dès qu'on est au plat de volaille, Georges Blanc montre le bout de son nez, le bout de son bec, j'ai envie de dire, mon cher Georges, hein, le bout de son aile. Ça fait plaisir de voir Georges, tout ce beau poulet de Brest traité par nos cuisiniers. Gastronomie, vous êtes venus célébrer le bien manger et la grande cuisine avec nous tous, tous pour communier dans cette grande cuisine. We came here, nous sommes venus ici à l'appel d'un seul homme. We came here on the request of one single man. He is not present, but he is watching us. Il n'est pas ici ce soir, mais il nous regarde, comfortably sitting in front of this TV. Assis confortablement devant sa télévision. I would like you to stand up, please. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Thank you.
welcome to the great show. Welcome to the Pokustar Award Ceremony. Welcome, Brazil. Welcome out, Canada. Welcome, Deutschland. Welcome out, Iceland. Welcome, USA. Je vais demander à Alexandra Perrier et Cédric Boucharla, nos huissiers, de bien vouloir remettre cette enveloppe. Eh bien, c'est fait. Nous allons savoir d'abord le prix de la meilleure de la minute qui s'est rendue sur l'enveloppe. Meilleur poster, best poster, la meilleure affiche. The award for the best promotion. Australia. Australia! Best promotion prize. Congratulations, Team Australia, for the best promotion. À l'art culinaire, puisque c'est le prix du meilleur commis. Ladies and gentlemen, at this point of time, we'd like to do the next prize, which is the best commis prize. Very important prize because these young chefs are just starting out their careers. De l'assiette végétale, du premier plat, le plat végétal. À la France! Le prix spécial assiette végétale, le prix spécial plateau récompense le plat de poulet aux écrevisses revu et extrêmement revisité par les candidats, les 24 candidats du Bocuse d'Or 2017. Qui c'est, Georges?
la Hongrie. Hungary. Maintenant que ces beaux prix ont été remis, nous allons rentrer dans le cœur du palmarès. Je peux vous dire, ce sont tous des très grands chefs, des très grands professionnels, des hommes aguerris. Ils ont tous la main qui tremble sur leur blanc. Tous. Je peux vous dire, l'enjeu. No way. Est-ce qu'il faut des ciseaux? Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, il est temps de repartir, le salon c'est fini, c'était vraiment super super super. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vraiment super. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, l'atelier de cuisine de Jérémy partout, Facebook, Twitter, Instagram. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, salut.